Bien, salut tout le monde, c'est Maveur et aujourd'hui on se retrouve pour Pokémon version Diamant en Nuzlocke Challenge. Donc ça faisait un moment que j'avais prévu de faire un Pokémon en Nuzlocke et j'ai choisi la version Diamant tout simplement parce que c'était une version que moi j'avais beaucoup appréciée. Essentiellement, j'avais beaucoup apprécié Dialga, même si voilà, Dragon Acier c'est bourré de défauts, mais bon, moi j'avais beaucoup adoré. Donc je vais juste vous énumérer vite fait les quelques règles qu'il y aura pour ce random. Alors ouais, non, par contre voilà, je vais être obligé de cliquer parce que ça va être un peu différent. Il y a des trucs que le randomize m'a dit nope. Donc déjà je vais vous dire ce qui a été randomisé. Donc j'ai randomisé les Pokémon de départ qui auront forcément deux évolutions parce que j'ai pas mis un random complet. Parce que sinon j'avais des gros soucis, genre la première fois où j'ai voulu record, je suis tombé sur des Pokémon pas terribles. Et en fait, c'était un peu du n'importe quoi, genre j'avais un Regice, et du coup tu commences, t'as un peu explosion en fait. Donc voilà, le truc se suicide. Et dans le Nuzlocke c'est compliqué. Donc les capacités spéciales sont randomisées. Donc avant ça s'appelait encore capacité spéciale. Hein. Voilà. Donc je ne me trompe pas dans les noms, c'est bon. Les Pokémon sauvages sont randomisés complètement. Ils ont un système de remplacement, donc de zone en gros si vous préférez. C'est-à-dire route 1 vous aurez un Pokémon. Route 1 vous aurez un certain Pokémon. Enfin bref, voilà. Vous verrez bien, vous allez comprendre. Les Pokémon des dresseurs sont randomisés complètement. Les Pokémon du rival sont randomisés. Et si je me trompe pas dans les réglages, ils seront inchangés tout le long de l'aventure. Les Pokémon échangés et échangeables sont randomisés complètement. Les Pokémon donnés ou vendus, comme par exemple on pouvait acheter un Magikarp dans la version or, sont randomisés. Les objets donnés sont randomisés. Les CT sont randomisés. Les noms des dresseurs des champions sont randomisés. Les moves tutor auraient dû être randomisés, mais il n'y en a pas. Ou en tout cas, enfin le randomizer m'a dit qu'il n'y en avait pas ou que ça ne pouvait pas se faire sur Pokémon Diamant. Les objets trouvés sur les objets sur le sol sont randomisés complètement. Les Pokémon qui évoluent normalement par échange ont une autre façon d'évoluer. Alors ça, au pire, je regarderai dans le codage de la ROM, enfin comment elle a été foutue. Pour regarder comment ils évoluent, puisque ça risque d'être compliqué sinon de chercher. Je pense que ça évolue par niveau, mais bon, voilà. Ce qui est inchangé, donc du coup, ce sont les types des Pokémon, les attaques des Pokémon qu'ils apprennent, tout ça. Les types des attaques, donc les attaques feu reste feu. Les CT sont toujours utilisables sur les mêmes Pokémon. Et les Pokémon légendaires sont toujours les mêmes Pokémon légendaires. Parce que le randomizer m'a dit que ça se faisait pas. J'ai essayé sur plusieurs ROM de Pokémon Diamant, et non, ça se fait pas sur Pokémon Diamant, je sais pas trop pourquoi. Alors qu'il y a la chatte qui miaule derrière, mais bon, ça, vous avez l'habitude à force. Donc les règles après du Nuzlocke, c'est les règles classiques. Donc il y a déjà obligatoirement un Pokémon qui est KO, il est mort, donc il peut plus être utilisé. Un joueur ne peut capturer que le premier Pokémon sauvage qu'il croise dans chaque route, quoi. Sauf exception quand on rencontre les premiers Pokémon. Dans certaines versions on est obligé de passer genre route 1 et tout avant d'avoir les Pokéball, tout ça. Voilà, donc si celui-ci est mis KO ou si le joueur fuit, il n'aura pas de seconde chance, voilà. Néanmoins, une exception est faite pour certains jeux Pokémon où les premières routes sont visitées, donc avant l'obtention des Pokéball. Donc c'est un peu ce que je disais. Pouvoir retenter une autre rencontre en mettant KO le premier Pokémon rencontré pour pouvoir en capturer un autre. Donc j'ai activé cette règle, enfin moi je vais la mettre. Pour éviter qu'on ait des doublons en gros. Je vais pas me faire une équipe où il y a 14 ratata dedans quoi. Enfin voilà, vous voyez le délire. Je me suis imposé une règle qui est celle de la limite d'utilisation d'un centre Pokémon qui sera utilisable au maximum 3 fois par ville. C'est une règle que j'ai voulu rajouter un plus, un petit challenge. Donc ça fait quand même pas mal, 3 fois par ville, oui bien sûr. Donc voilà. Donc autoriser la capture d'un Pokémon chromatique dans une zone, même après, même si j'ai déjà capturé un Pokémon. Voilà, parce que c'est un chromatique, du coup voilà, c'est stylé. Je pense pas l'utiliser, mais c'est pour dire, ouais, capture un chromatique, voilà.
Si une CS est nécessaire, est absolument nécessaire, le joueur peut s'autoriser une capture exceptionnelle d'un Pokémon compatible. Si on n'a pas de CS clave, on en capture un. Voilà. Les Pokémon KO seront mis dans une boîte de stockage exprès. Et là, j'hésite à la mettre, cette règle, mais je pense que oui, je pense qu'on va la mettre. Un hors-jeu, donc quand on n'a plus de Pokémon, est considéré comme un game over. Donc je pense que celle-là, on va la mettre. Et sur ce, voilà, enregistré. Et sur ce, on va commencer. Alors après tout ce blabla, hein. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Alors là, c'est la phase d'intro. J'ai hésité à vous la passer. Mais bon, on va la mettre. Tout le monde m'appelle professeur Pokémon. Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte à t'en donner. Alors. Non, merci. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Non. Tiens, voici une Pokéball. Touche le bouton du milieu. Voilà, donc je suis obligé d'utiliser la souris. Nous les humains vivons avec les Pokémon, bravo. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour créer et pour combattre et créer des un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Vous l'avez peut-être remarqué dans l'intro, mais il y a quand même quelques bugs graphiques. Alors ça, je sais pas si ça vient de mon émulateur qui est pas top, ou si ça vient de la ROM tout simplement. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Garçon, oui. Comment t'appelles-tu? C'est plus pratique à la souris quand même. Ah. Tu t'appelles Maveur, oui. Et ton rival? Alors j'ai dû recommencer. Alors le rival je vais le rappeler comme je l'avais appelé. Parce que j'avais un souci de ROM. J'avais pas la bonne ROM. Et j'avais un problème de record. D'ailleurs je vais regarder si ça a pas planté. Non c'est bon. Et en gros ça avait planté. Donc je l'appelais Polo. Parce que Polo quoi, voilà. Je crois que dans la rue tu l'appelais Polo. N'importe quoi mais ouais. Voilà. Tu découvriras un tas de choses, tu vas apprendre très vraiment des choses sur toi-même. Allez plonge dans le monde des Pokémon. Alors oui, là je la zappe un peu. Je vous fais pas le délire parce que moi en fait, du coup je me la suis retapé plusieurs fois déjà cette intro. Hein. Entre les fails de mon d'enregistrement et tout. Malgré tous les efforts de l'équipe d'exploration, le Pokémon rare de couleur rouge demeure introuvable. Le supposé Léviator reste invisible et l'équipe est démotivée. Voilà, donc je rappelle que ça se base, notre début d'aventure va partir à cause d'un Léviator rouge qui est absolument pas là. Ceci conclut notre bulletin spécial à la recherche du Léviator rouge, diffusé pour vous par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. Parce que eux ils trouvent un Léviator rouge quotidiennement. Voilà donc on part sur ce délire. Merde j'ai accéléré sans le vouloir de lui. Donc on part sur ce délire de Léviator rouge. Et le voisin voilà. Polo va venir. Enfin c'est Polo qui va nous traîner là dedans. Je ne sais pas ce qu'il voulait mais il a dit que c'était une urgence. Ouais urgence urgence. Moi aussi je veux voir un Léviator rouge. Ah le blabla. Ah oui ma mère ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Sinon si tu avais ton propre Pokémon mais tu n'en as pas alors voilà merci mais ne finis pas ta phrase je me casse. Vous voyez il y a des gros traits noirs c'est pas beau. Boum. Hey je veux là tu mets aussi dépêche-toi un peu tu me devras 10 000 Pokédollars en retard. Oh mince j'ai oublié un truc qui c'est qui est en retard enfoiré. J'ai jamais compris ce délire. Le mec, là, il se laisse faire. Oh, tu me devras 10 000. Finalement, c'est l'autre qui est à la bourre. Je ferais mieux de prendre ceci. Enfin, je ferais mieux de prendre aussi mon sac, mon journal. Oh, salut, Maveur. Le mec te redit bonjour. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 si tu es en retard. Voilà, voilà. Il y a un truc aussi que je pouvais pas activer, c'était le Pokédex national. J'ai pas pu mettre le Pokédex national, par défaut. Parce que je suppose que du coup, vu le random que j'ai foutu, sur l'apparition mystérieuse de Pokémon furieux dans le lac. Cette émission m'a fait réfléchir, je parie que notre lac a aussi un Pokémon rare comme celui-là. Alors voilà ce qu'on va faire, on va y trouver ce Pokémon. Alors oui, il y a un Pokémon légendaire, mais aucun rapport en fait avec ton Léviator rouge. C'est un peu créfolé. Ou créfabé, non. Lac vérité. Ah, lac vérité, donc c'est... Oui, je crois que c'est créfolé. Direction le lac.
On va se trouver un élévateur rouge. Créer elf, c'est le savoir. Je sais plus. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait qu'il y a quelque chose de différent. Peu importe. Au moins, nous avons pu voir quoi ressemble le lac. Viens, Aurore, nous partons. Viens, Aurore, nous partons. Ah oui, je vais le faire une voix de Dieu. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Non, c'est un fan de ton doigt. Après 4 ans d'absence, ça doit vous faire plaisir, non? Il y a une chose dont je suis sûr. Il y a beaucoup de Pokémon rares dans cette région. Sinnoh va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Une bonne merde. Oui, donc je disais pour le Pokédex National, je me dis que c'est possible du coup. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est possible qu'on ait des Pokémon des autres générations. Ce serait problématique du coup parce qu'on les aurait pas dans le Pokédex. Laissez-nous passer s'il vous plaît. Ah non, quoique ça sert à rien de toute façon. Je suis désolé, nous avons du travail. Qu'est-ce qu'il fabriquait ces deux-là? Hey, Maver, regarde ça, allons voir de plus près. J'ai l'impression qu'à chaque fois le jeu charge les dialogues. Qu'est-ce que tu en dis? Il ne faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète pas. On n'y sera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. C'est bizarre. Ah, voilà, là on se fait attaquer par des tourmis de mémoire. Ils l'ont oublié, qu'est-ce qu'on doit faire? On pourrait leur rendre, non? Mais où? L'un des deux avait l'air d'être un professeur. Et bam, des tourmis. Alors ceux-là, ils sont absolument pas à Nuzlocke. Enfin, randomisés, je sais pas pourquoi. Ils auraient pu. Je crois qu'on va tomber sur des tourmis quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oh! Ah, c'est pas mal. Tiplouf ou Watwat? J'aime beaucoup les deux. Le problème c'est qu'avec un Watwat ça risque d'être compliqué quoi de commencer avec un Watwat. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on prend les amis? J'hésite beaucoup. D'ailleurs Watwat qui est à la place de Tiplouf. Est-ce qu'on prend un Tiplouf? Tiplouf est Oasis à la fin quand il évolue. Alors, faut savoir que j'ai quasiment jamais joué Pangoléon. Faramp, je le connais par cœur, limite. Je me souviens plus l'ordre des arènes en plus. Bon, on va prendre Tiplouf, qui a une tronche de Wistikram. Ah merde, je sais pas si on leur donne des surnoms. Ouais, je leur donne des surnoms. Ouais, donc c'est ça, on se tape quand même un tour. Alors ça c'est de la luck, puis finalement on commence quand même avec un Pokémon de départ normal. Ouais, je vais juste vous accélérer ça parce que c'est un peu relou. J'ai oublié que les combats étaient aussi longs. Voilà. Fouah! Il y a Pokémon Total Rocket. What the fuck? Pourquoi il est en anglais là, truc? D'accord, le mec parle en anglais. Pourquoi pas? Oh, la mallette est là. Mais, oh non! Vous avez utilisé les Pokémon? Oui, oh non! Que va dire le professeur? C'est pas bon du tout, je vais reprendre la mallette. Hasta luego! C'est quoi toutes ces histoires? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat, si on se fait encore attaquer, ça va mal se passer. Ah, puisque t'es nul. Oh, la violence. Je sais bien que mes Pokémon ne sont pas à nous, que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Et je voudrais passer un peu plus de temps avec ce petit gars. Ah donc c'est un mal? Ou en fait t'en sais rien du tout. Ah ah. Tiens, comme par hasard. Polo, c'est encore ces gens. Enfin, Polo dit, c'est encore ces gens. Est-ce que le vieil homme va nous gronder ou je sais pas quoi?
Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipouss. Quoi? Genre, il a eu un Tortipouss? Ah non, le... What the fuck? Comment le jeu a fait? Parce que j'ai pris officiellement, normalement, j'ai pris Wistikram. Donc, il aurait dû me dire, Wistikram et Tiplouf. C'est chelou. Aucune explication logique. Je vois. Alors, c'est comme ça. Aurore, je rentre à mon labo. Oui, attendez-moi, professeur. Je pense que vous devriez passer nous rendre visite au labo au cas plus tard. Et tu vis où, Bouffon? Mais c'est fou, cette histoire. Je veux dire, s'il était en colère, il aurait pu juste nous crier dessus. Et il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon? On devrait rentrer, nous aussi. Oh là là, les musiques. Quoi de neuf, mon chou? Waouh, je ne peux pas croire ce qui t'est arrivé. Je suis bien contente que Polos et toi soyez sains. Alors, est-ce qu'on lui fait une voix de merde? Le professeur dont tu parles... Non, stop. Dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Littorella ou Littorella? Moi, je vais dire Littorella. Il paraît qu'il est très connu pour ses études sur les Pokémon. Il paraît que c'est une personne... Il paraît beaucoup de choses, apparemment. Très impressionnante. Maver, je crois que tu devrais aller le voir à Littorella. Tu dois bien lui expliquer pourquoi tu n'as eu d'autre choix que d'utiliser son Pokémon. Oh, je sais, Maver enfile ça. Chaussures de sport. Allez, ça, dès le début du jeu, putain, j'avais oublié ça. Ça, c'est génial. Allez, blablabla, laisse-moi lire le mode d'emploi. Voilà. Très chouette, ton mode d'emploi, j'adore. Bon, allez, on se casse. Ou alors, on va faire un tour d'abord. Ah, c'est mieux, ça va plus vite. Je sais plus où c'est qu'on a la carte. Je crois que c'est sa mère qui nous la donne. Je sais même plus. Ou alors on les... Non, on l'a félicité. Bon là du coup, on va XP un peu. What? Ah d'accord. Il y a des palkias sur la route 1. Ok d'accord. Non mais normal. Bon, on n'a pas les Pokéballs, donc pour l'instant ça compte pas. On sait qu'on pourra trouver un palkia sur la route 1. Bon, pourquoi pas? On paraît qu'il va me défoncer. What? Ok, critique. What? Est-ce qu'on a... What? On va fuir. C'est problématique tout ça. Surtout qu'on a 5 Pokéballs au début en plus. Enfin, pour le capturer, c'est limite pas possible. What the fuck? On a des Palkia sur la route 1. Non mais please. Manquerait plus que le truc qui me dise non, tu ne fuis pas. Et je peux pas XP en plus. What? Bah qu'est-ce que je disais? Je peux rien faire. Non mais là, voilà. Au pire là, on va dire que si je meurs, c'est pas grave. Parce que là, j'ai vraiment pas le choix en fait. Ok, Littorella. Oh, te voilà, viens avec moi s'il te plaît. Le professeur nous attend. Mais what the fuck? Nous y voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Boum. Encore? Mais que... Oh, c'est toi, Maver. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Oh. Bah, ce n'est pas grave, Maver. Je m'en vais à plus. Ciao, sayonara, hasta luego. C'était quoi ça? Ton ami a l'air, vraiment l'air impatient. Bon, enfin, rentrons. Enfin, te voilà, Maver, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau... je suis en train de faire des voix n'importe comment. Montre-moi à nouveau le Pokédex. Le Pokémon. Je vois. Ce Pokémon m'a l'air plutôt heureux. Très bien. Je te fais cadeau de ce type louf. Professeur, maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom? J'ai pas d'idée de nom en tête. Du coup,
coup on va l'appeler Pingu. Je sais même pas comment s'écrit mais c'est pas grave. Ça c'est un pingouin. Allez, me laissez pas, laissez-moi tranquille. Ok, je vois, est-ce que ce nom se plaît? Ouais, d'accord. Polo m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Ah, j'oublie tout le temps de lui faire savoir. Il paraît que vous êtes bien battu, bien que ça soit la première fois. Et d'après ce que je vois, tu as créé un lien avec ce Pokémon, même s'il est encore très jeune. C'est pourquoi je souhaite te confier ce Tiplouf. Mais what the fuck, enfin, je comprends pas comment ça fait qu'il dit Tiplouf. Ah, parce que du coup, ouais, il compte comme un Pokémon, comme un starter normal. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ça n'avait pas été le cas, je ne peux même pas le dire. Genre quoi, tu m'aurais mis ton poing dans la gueule, wesh. Passons au sujet suivant. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Mon nom est Sorbi, j'étudie les Pokémon. Avant tout, je veux savoir exactement quelle espèce de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, il est nécessaire de collecter des données avec le Pokédex. C'est ce que je voulais te demander. Je voudrais te confier ce Pokédex. Pourrais-tu l'utiliser et collecter des données sur tous les Pokémon de Sinnoh pour moi? Oui, de toute façon, t'as pas le choix. Bien répondu. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Maintenant, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai un, moi aussi! Cool ta vie. Quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années encore aujourd'hui. J'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Ouah, c'est lent. Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Allons en route. Allez, pisse ta gueule. Mysticram. Ouah, non, pisse ta bouche là. Je jure que les dialogues sont longs quand même. Je pense que pour vous, même vous, c'est infâme quoi. On n'a encore rien foutu. Je vérifie. Ah, oups. On est déjà à 20 minutes d'enregistrement, on n'a rien foutu quoi. Ah, ouais, non. Sans zap. Dommage que cette musique, elle est sympa, elle est fun. Alors là, je me permets de faire un sprint. Bon, centre Pokémon d'abord. Je crois qu'elle m'a dit d'aller prévenir les parents, je crois d'abord. Alors cet épisode sera un peu plus long que les autres du coup. Non mais please, il n'y a que des Palkia dans cette zone. Je sais pas, il doit remplacer genre Ponchio ou une connerie dans le genre. On va essayer de se le faire. Ok, il utilise Grimace. Ce serait bien de pouvoir XP un peu en fait. Ok, on s'en fout de la vitesse. Il fait mal. Oh putain, c'est une blague. Ah oui, par contre, niveau XP, on prend masse hein, du coup. On va juste... Donc ça fait déjà une utilisation. On va en avoir une... Merde. Ok, d'accord, on a un Connotor normal. Ok, non, 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 non. On va se casser. Alors lui, il nous donne des potions. Putain de ta mère. Alors il y a des Insolo Lourdeau, des Connotor et des Palkia. Ouais, autant vous dire que j'aimerais tomber sur Palkia quand même. Hop. Voilà. Il nous donne vraiment une potion. Alors, merde. Alors deux secondes, désolé. Config, je sais plus. C'est quoi mon bouton start? Start. C'est entrée. D'accord. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est volontaire? On va juste aller soigner notre Pingu. Donc ça fait deux utilisations du centre Pokémon. Ouais, finalement. Hein. Sachant que je vais m'interdire le côté soin de PV via le PC, hein, bien sûr, sinon c'est de la triche. Enfin, sinon cette règle serait un peu inutile, quoi.
Hop, allez, on sprint, on sprint. On va éviter les Pokémon. Hop. Journal. Alors, j'avais pas pensé qu'elle nous soignait, elle. Donc du coup, on a un soin ici aussi. Bon, on va pas le compter, ce soin-là, parce que du coup, je l'ai pas utilisé. Ah oui, c'est là-dedans qu'il y a les cartes. Oh, pardon, je vous ai zappé tous les dialogues. Enfin, je sais pas si ça vous dérange ou pas. Mais... Du coup, j'ai voulu aller vite, je vous ai fumé tous les dialogues. Là, on a plus de Palkia. On XP un peu. Au pire, je ferai de l'XP en off, hein, mais... Il y a encore des Palkia, si. est-ce que je vais me faire défonce? On va le tenter. Waouh, il fait trop mal. Ok, il utilise Grimace. Faut pas qu'il fasse de coups critiques. Ok, c'est bon, il a même pas attaqué. Bon, ok. Pingou est déjà level 8. Donc ça, c'est plutôt bien. Et là, on va utiliser le soin, par contre. Donc on aura déjà deux soins d'utiliser à Littorella. Et un bon augure. Parce que j'avais oublié que notre mère nous soignait. Voilà. Ouais, d'accord, si tu veux. On va le compter comme un centre Pokémon, la maman. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je vais au centre Pokémon, maman. Ouais, non. On va éviter de faire trop de combats non plus. Je vous ferai ça en off, au pire. Je rush un peu, désolé. Parce qu'on a été beaucoup trop lent sur le premier épisode. Enfin, je trouve... C'est pour vous, c'est pour que ça ait l'air un peu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acheter des Pokéballs. Je veux mon honneur bonne en cadeau. Voilà. Genre, bon bah du coup voilà, maintenant on peut capturer les Pokémon, c'est officiel. J'avais oublié ça. Bon. Alors, quel premier Pokémon va-t-on capturer? Conotor, un Solurdo ou Palkia? Putain, c'est pas Palkia. Ah, les boules. Bon. Bon, on va faire avec, hein. Ok, normalement si j'en fais une deuxième, il meurt pas. Ok. Putain, il fait nos dégâts le truc. J'ai pas regardé la nature de mon Pingou. Non, on va pas te mettre une honor ball, t'as vu la tronche que t'as. Bon bah on aurait eu un Pokémon enfin deux Pokémon classiques au final. On a failli avoir un Solurdo et un Palkia. Ah, les boules, j'aurais tellement voulu tomber sur Palkia. Ouais, non, mais je l'aurais jamais capturé, je pense. Puis il doit avoir un taux de capture. On va l'appeler Castorama. Non, Castoche. Eh, ça rentre en plus. Voilà, donc on aura premier Pokémon, un Castoche. Donc finalement, une équipe normale. J'ai enlevé la souris, voilà. Ah, je comprends pas pourquoi il veut pas m'ouvrir le menu start. Alors deux secondes, je regarde quand même, parce que c'est un peu dérangeant. On va dire T. Ah merde, il y a déjà un truc sur T.
K. Il veut pas m'ouvrir le menu start. C'est chelou. Ah non, c'est X, je crois. Putain, quel con. Désolé, je crois que je me suis planté en fait depuis tout à l'heure. J'ai oublié, je crois que c'est X sur... sur 3DS. Non ? Y alors peut-être ? Je sais plus. Oh putain, Y c'est A. Ok, donc ça, ça marche, mais c'est pas ça. Ah si, ça y est, ça marche. Voilà. Donc ça, c'était la route combien ? Alors, je vais faire... Donc 201, c'est capturé. Littorella, on pourra quand on aura une canne à pêche, non ? Ah non, c'est non, même pas, non, j'ai rien dit. Ah si, c'est le bas de Littorella, je crois qu'on peut. Ouais, quand on aura une canne à pêche. Ah, il y a un objet ici. Ah, est-ce que c'est random ? Vérifions si tout fonctionne bien. Oui, c'est random, je confirme. Flux jaune. Je sais même pas à quoi ça sert. Voilà, et une deuxième Pokémon, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah putain, il y aura. Il y aura. Oh oui ! Ma veuve, je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Trop tard. Je vais te montrer. Ouais, bon, ça on va le passer. Conotor. Ah, il a affaibli, j'utilise une Pokéball. Voilà, très passionnant. Donne-moi les Pokéballs et on se casse. Voilà, donc on en a 14 du coup. C'est pas mal. 15 avec l'Honor Ball. Alors, quel sera notre prochain Pokémon? Oh putain les gars! Palkia. Ah oui, ouais, parce que du coup ça remplace un type de Pokémon. Allez, 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 allez. Ce serait tellement bon d'avoir un légendaire. Est-ce que je m'autoriserai à l'utiliser? Je sais pas. Ah, il est type haut de mémoire, donc ouais, il est dragon haut. Waouh, il va faire mal. C'est quand même pété d'avoir un légendaire dès le début. Ah non, ça va. Pas tant que ça. Allez, on va tenter. Est-ce qu'on tente écume ou pas? On va tenter écume. Ne meurs pas. Ok, on peut le refaire. On va le refaire. Ok, il est dans le rouge. Allez, on va prier pour avoir un peu de chance. Un peu beaucoup, parce que bon, on a 14, mais je pense pas que Pingu tiendra jusqu'à l'utilisation des 14, quoi. Ah ouais. Ah, très bien. Ouh, deux fois. Une, deux. Putain. En même temps, il a un taux de capture tellement élevé. Enfin, tellement, je sais plus si c'est élevé ou faible, mais t'as tellement peu de chance de l'avoir. D'accord, il s'éclate, il me fait que des grimaces. Tant qu'il me fait des grimaces, ça va. Ok, ça va, il me fait du 4. Bon, par contre, il me paralyse, c'est relou. Oh, on va y passer toutes nos Pokéballs sans deck. Là, on va pas faire de conneries. Sac, potion. Alors, sac, Pokéball. Ouais, non, là. Ouais, ça change rien, mais bon. Elle a le même taux de capture qu'une Pokéball normale, de toute façon. Ouais, je pense bien qu'on ne l'aura pas. Du coup, ça, c'est dommage. Ouais. Il a tellement un taux de capture. On a un Palkia ! OMG ! J'aurais jamais cru. Comment on l'appelle ? Oh fuck that shit ! Pokémon Espace. Oh fuck ! On a une équipe presque normale. Presque. Comment on l'appelle? On va...
On va garder Palkia, on le renommera plus tard. Oh merde! Putain, j'aurais jamais cru. Je sais plus quand c'est qu'on peut renommer les Pokémon. Je sais comment on va l'appeler. Enfin, c'est une idée. Vous me direz. Vous allez me dire c'est de la merde autant, mais bon. Hyperlia. Le... Enfin, Hyperlia plutôt. Voilà. Ou le Hypalgia, tu sais. Oh fuck! Il nous reste combien de Pokéball? Ah ouais, j'avais oublié ce... l'inventaire. 3 Pokéball! Oh putain, j'aurais jamais cru. On a un putain de Palkia. On va le soigner direct. On aurait pu tomber encore sur un Insoluro. Parce que du coup, moi, j'ai décidé de garder... Vous savez, un peu le... Je sais pas si c'est pas... Si tout le monde le fait. J'ai décidé de garder le côté... normal. C'est-à-dire que... Un Pokémon remplace un Pokémon et ce sera ça tout le long de l'aventure. Fuite. J'ai même pas... J'aurais pu utiliser une potion sinon... Bon, on aura grillé tout ce... Ce centre Pokémon là, faudra que je le note. Alors vous, je vais vous mettre dans la description... les comment ça s'appelle? Toutes les zones où on aura capturé... Ou alors vous aurez un lien vers... si vous le voulez. Vers un Google Doc là, je sais plus comment ça s'appelle. Vers un document où il y aura tout marqué dessus. Donc je rappelle, il y a la règle des doublons aussi. Donc on pourra plus capturer de Palkia ou de... Comment ça s'appelle? Kenotor. Oh bâtard. Il fait mal quand même. Premier dresseur. Premier dresseur. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Palkia en tête. Ou Kenotor. Ouais, ça va, le mec Papinox et tout. Tu fais mal en foiré. Alors les premiers combats, ça risque d'être très compliqué. Nope. J'ai oublié, le jeu est pas du tout fluide. C'est incroyable. Alors en off, je m'arrangerai pour XP les Pokémon. Parce que là, histoire de tous les foutre niveau 10, parce que la Pingu a une avance de malade. Oh, il prend 2 levels au calme. Il a battu un level 5, ça y est, il prend 2 levels. Il se sent plus. Je ne fais pas le poids, je ne fais pas le poids, je ne fais pas le poids. Et sinon, bah je ne fais pas le poids. Ordre. Donc on a Castoche et Perlia. Putain, c'est quoi cette équipe, quoi, sans déconner. Oh putain. Ah, je vous jure. On a combien de temps de vidéo? On est à... Oula, 40 minutes de vidéo. Donc du coup, on va se laisser là pour le premier épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le Nuzlocke vous plaira. Moi je vais XP les Pokémon en off. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, bye tout le monde.